Okay. Hello, everyone. We have many old friends and new friends here. Welcome, all of you. First, I think we ask our organizers to talk, maybe. I can hear the translation. Yes? Yeah? Yes, okay, Sylvia. Okay, I can hear you now. Miss Lata. Okay. Maybe first we ask our main organizer, teacher Hui, talk something. Hello, everyone. Hello, teacher Dong. We are happy to start the free session with you to introduce the course to the people. First, for people who join now and they don't know how to choose the language, so in the bottom line, you have a translator function. There is a button. You can choose six different languages and to listen to your to the translation. Donc, bonjour à tous qui écoutaient la voix française, c'est Emeline aujourd'hui. Il y a eu un petit souci, vous avez remarqué, mais ça y est, tous les traducteurs ont la voix audible. Donc, avec le geste que faisait Rui, c'était pour indiquer, mais si vous n'entendez pas, c'est un peu compliqué. Si vous pouvez choisir votre langue en bas, là où il y a la map monde. And we will record this session if someone wish to see the recording or want to show the recording to other people. We will send, we have your email, we will send the recording to your email. Donc, ce qu'il est dit là, c'est que bien sûr, vous êtes tous enregistrés. Puisque vous accédez à la salle et que vous aurez, on vous enverra, si vous souhaitez, l'enregistrement du jour, si vous n'êtes pas inscrit. And if you like this method, I want to try and register to the course. We will share the link to our landing page. You will get all the information you need, include the organizer list. You can choose one organizer and register with this organizer. Et aujourd'hui, on va avoir comme un résumé, une présentation résumée de tout ce que le professeur Dong va nous faire découvrir pendant les 12 sessions qui sont à venir. Mm-hmm. And from this organizer, you will receive all the support. If you have questions, if you need more information about Qigong and the Mingmu method, this organizer can help you. Tous les organisateurs sont là pour venir à votre aide, bien sûr, pour plus de compréhension. Et vous pourrez nous joindre avec les liens que vous connaissez déjà. Mm-hmm. So we are happy to organize this course with Teacher Dong and in cooperation with Xi'an Center. It's a very precious method. Teacher Dong developed this method in many, many years, and it's become very efficient and unique. So we hope you enjoy it. Nous espérons que
vous allez pouvoir apprécier la merveilleuse expérience du professeur Dong. Et se joint à lui le professeur Yuan, qui travaille au centre de Xi'an, un grand centre à la fois de soins et de recherche de Zen Qigong. Le professeur Dong est spécialisé dans toutes les problématiques de la vision depuis 16 ans. Mm-hmm. So if you have a question during the this session, you can write into the chat. The organizer in your language can support you. Yeah. Donc si vous avez besoin, éventuellement vous pouvez écrire dans le chat directement alors à moi, Emeline venant. Donc à Emeline. Je ferai mon possible pour vous répondre. Pour mm-hmm. And see the landing page. There are many useful information about the method. Mm-hmm. Voilà, je ferai mon possible parce que parfois je suis emportée par la traduction, mais c'est important d'écrire en verbe. Okay, now we want to introduce our teacher Dong. Et parce qu'il y aura une mention en rouge à côté, donc je la verrai un peu plus facile. À présent, Rui, yeah, teacher Dong, you can start. No, maybe we first ask the successful story. People can share her story. Isabel, name? Donc nous allons aussi entendre des témoignages. Yes. Personnes qui ont déjà accompli les séminaires précédents avec professeur Dong. Récemment ou de façon plus ancienne. Je pense qu'il y a un ajustement technique. Voilà. Qui se fait? Isabel, can we see you? Okay. Okay, I got it. Muchas gracias. No se puede escribir el audio. Bueno, pues mi testimonio, me gustaría compartirlo. El año pasado yo empecé a tener inflamación por dentro de los ojos, en el párpado. Veía manchas negras también y sentía una sensación de piedras en los ojos. Fui al oftalmólogo y me dijo que tal vez estaba teniendo un desgarre en la retina o un desprendimiento y que además la tenía muy delgada y tenía una inflamación interna en los ojos que era grasa y además tenía el ojo lo tenía muy reseco. Me mandaron un tratamiento y yo no sentía mejoría y me llegó la invitación a este curso. Y en 2 semanas la inflamación en el párpado había desaparecido. Las bolitas prácticamente se habían deshecho, las bolitas de grasa. Y yo ya no sentía las piedritas en los ojos. Al principio la vista no lograba tener tanta mejoría. Sin embargo, las manchas negras las había dejado de ver y eso me inspiró a seguir practicando. Mi experiencia con el curso fue de las mejores, extraordinaria, pues con la práctica constante yo logré ver mucho más nítido y la molestia en los ojos prácticamente desapareció. Y además noté también con la práctica constante que ahora duermo con mayor facilidad y plácidamente. También noté que los miedos a enfermarme o a que algo le pasara a mis ojos ha desaparecido. Pues
el mantener mi mente enfocada en el gran campo de chi le cobra un sentido diferente a la vida y a los pensamientos. Estoy muy agradecida con el maestro Dong por la información valiosa que nos dio en el curso y su gran campo de chi que comparte, los cuales ahora me han ayudado a sanar física y emocionalmente. De verdad, es de los mejores cursos que he tomado y con grandes beneficios. Muchas gracias. Je vais pouvoir commencer la traduction. En fait, cette personne n'a pas reçu les indications pour nous laisser du temps. Donc, cette dame s'appelle Isabelle Landine, elle est de Mexico et elle a suivi la formation au mois de janvier de cette année. רק רגע עם הקבוצה של דוברי העברית, יש לנו איזושהי בעיה קטנה בתרגום, כבר רונית תיכנס לתרגום, ואני מקווה שנשמע אותה, אנחנו בודקים את העניינים. תכתבו לי בצ'אט אם אתם שומעים אותי ברגע זה, אני אשמח. קבוצה בעברית, אם שומעים אותי. Je sais pas si vous m'entendez, ceux qui ont mon téléphone portable, si vous pouvez me joindre pour m'envoyer un SMS uniquement. Donc, je vais essayer de reprendre. Le chat n'est pas ouvert pour que vous m'écriviez directement, donc envoyez-moi un SMS pour me dire si ça va ou pas. Surtout. Donc, l'an dernier, Isabelle Landine a commencé à avoir des inflammations, particulièrement au niveau des paupières. Elle voyait également des taches noires. Et elle avait des sensations comme de gravillons sous les paupières. Elle est allée voir, bien sûr, un ophtalmologiste. Et il lui a dit que peut-être elle a fait des écoulements. The story is very beautiful. After a while, I will share. I will talk a little more about her story. Thank you, Isabelle. You are very good. Your story is very beautiful. Could you don't wait a little bit? There are some translator not. Helped many people to improve their confidence. Yeah. Je vais peut-être avoir le temps quand même de vous traduire. Donc, le médecin lui a dit qu'elle avait peut-être un décollement de rétine et peut-être aussi une sorte d'écoulement à l'intérieur des yeux. Et tout ça parce qu'elle avait notamment une rétine très fine. Et au niveau des inflammations qu'elle ressentait, peut-être qu'il s'agissait de dépôts graisseux, c'est ce qui a été dit, toujours à l'intérieur, la face interne des paupières. Et elle avait également le syndrome des yeux secs. Donc, les médecins lui ont ordonné un traitement qui n'a pas donné de grande amélioration vraiment. Elle a néanmoins, entre-temps, reçu l'invitation pour participer au cursus avec professeur Dong. Et en deux semaines, l'inflammation a baissé de façon significative au niveau des paupières. Okay. Et les dépôts aussi avaient pris en deux semaines. Et elle ne ressentait presque plus les petits gravillons, les bouffées de sable sous les paupières. Et bien que sa vue n'est pas vraiment, ne se soit pas vraiment améliorée, elle a quand même cessé de voir les taches noires. She also joined today. Teacher Yuan Ming and teacher Gao Yaqun. We ask them also share something. First, we ask teacher Gao Yaqun. Teacher Gao, is he here? Teacher Gao Yaqun. Donc, je vais reprendre le fil de la traduction. C'est un peu chaotique aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Teacher Gao in Xi'an Center, mainly in charge of the opening wisdom class. Hello, everyone. Hello, good friends. Hello, old friend and new friend.
Hello everyone, nice to see you. Now I heard the wonderful story about Isabel. Yeah, very good. Congratulations. Believe you will get more. You will get more bright eyes and get more healthy. Afin que believe, continue à améliorer sa santé, soit de plus en plus. I introduce myself first. Professeur Gao va se présenter. I'm Gao. I come from Xi'an Center. I have been training students since 2002, so long time, right? Yes, my main job is to students how to develop their wisdom and train adults how to develop their health. So I believe Qigong is science. It's a science. On appelle la sagesse. Now, when you relax and quiet yourself, you will get it. And you will help yourself. You will help yourself. And believe yourself. Believe Qigong is science. Your life is science. Apprendre and à se faire confiance à soi-même. Your mind is science. So, we heard the story is very, very wonderful, and the story is true. It's true. The ice ball help herself. I believe everyone can do it. Everyone can do it. So, I want to ask you a question. Do you want to possess bright eyes? Donc, je vous encourage à yes, me too. Yes, me too. Afin now, que now, everyone believe Teacher Dong, everyone believe us, everyone believe Qigong science. You will get it. You will get the bright eyes. Okay, see you next class. Votre santé. Thank you everyone. Thank you, Teacher Gao. Teacher Gao and Teacher Yuan Li will have another class in 8:30 also. So they have time to come here. It's very, hopefully, valuable. D'être accompagné okay. par l'équipe de Siam. Il y a une petite attente, je ne peux pas vous dire pourquoi précisément. OK. 高老师袁老师因为我现在还在同时听那个西班牙语的那个他们的翻译啊这样的话你们最好也同时听一下我刚才忘了告诉你们了这样的话我们就知道他们翻译到哪里了啊哦那我们怎么听呢你们选择下面那个下面有个通最下面有个语言翻译然后选择西班牙语最下面右侧语言 Alors maintenant, c'est Yuan.
qui également travaille okay. au centre. Okay, I just tell them to listen to the one other language also that we know where we can where we already finished. Oh, no, I forgot. Sorry. No, we ask teacher Yuan Ming to talk something. Teacher Yuan Ming is the director of International Department of Xi'an 智能 Science Research Center. Welcome you. Professeur Dong accueille chaleureusement le professeur Yuan. Ils se connaissent, bien sûr. Ils travaillent ensemble. Okay, hello, I'm a very good friend. Very happy to see you. Very nice to see you. C'est vraiment très agréable de voir, de vous voir. Yeah, I come from Xi'an Center. Yeah, Xi'an Center is the Xi'an Zhilun Science Research Center. Yeah, I'm in the Xi'an Center to many years, Qigong research, and also teaching in the class for the people, for the healing, recover, et all kinds également of illness. Le département de l'entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement, la pratique. On voit mieux professeur Yuan. And teacher Dong and me also graduated from the 2 years teacher training class in the Huaxia Center. Yes, so I knew the teacher Dong, yeah, very well. And we also have been worked together in the Huaxia Center and in the Hainan Center many years. Professeur Dong et Professeur Yuan ont fait leurs études ensemble et ils ont eu leur diplôme ensemble au centre de Huaxia, dans ce même centre qui était très très grand. Ils y ont travaillé et ils ont également travaillé ensemble au centre de Hainan. Hainan, c'est une grande île très au sud de la Chine, à la hauteur du Vietnam. C'est tropical et c'est très... he is a very, very good teacher. He spent more than 10 years to do one thing for the how to recover the eyes. So he developed his special method, Su Zi Ming Mu, in many, many years. And he is teaching in many cities, many provinces in China, and also in the world. Yeah, has a very, very successful, and has also have many successful cases for recover the eyes. Le professeur Dong est spécialisé dans les problèmes de vue depuis 16 ans et le professeur Yuan, pour lui, c'est depuis 10 ans. Et tous les deux enseignent, parcourent la Chine pour développer cette façon naturelle de traiter les problématiques visuelles. And his method, Shu Zi Ming Mu, yeah, come from the Qigong science. Has systematic theory, Hun Yuan entire theory, and the three layer substance theory. he developed this method. Yeah, is very, very good, very, very well, and they can be recover all kind of illness from the eyes. Le professeur Yuan explicite un peu les particularités de l'enseignement de professeur Dong, qui nous aide à retrouver l'énergie, une énergie assez spécifique, et celle de Hun, qui vient du Hunyuan-chi, le chi primordial. C'est ce qu'on appelle la théorie du Hunyuan. Et également, il y a une théorie sur les trois niveaux de la matière.
Et c'est pourquoi, avec ces deux grands outils qui font partie de la science du Zen Qigong, on peut vraiment aller au-devant des maladies, quelles qu'elles soient, et avoir du succès grâce à une I believe everyone in this course will get what you want, will improve your eyes, recover your eyes, no matter what the problem from your eyes, you also can improve and recover. Yeah, so I wish everyone to be very successful, to be very, very good, can get what you want. Un des grands chemins du Zen Qigong, c'est de définir le souhait qu'on a, un souhait sincère et profond. Et ainsi, puisque a priori c'est recouvrir la santé et visuelle, on émet ce souhait sincère, on ne s'attache pas à la problématique en tant que telle avec les diagnostics comme on connaît parfois en médecine occidentale. Et le fait de définir un but permet de l'atteindre. Voilà. Yann nous salue et nous dit à bientôt pour une prochaine fois. Thank you, TJ Yuan, for beautiful words. Et le professeur Don, merci le professeur Yuan pour and go with the teacher of the Xi'an Center. Xi'an Center is a very beautiful place, very good place to improve. Le professeur Don dit que le centre Xi'an, c'est un endroit où on peut s'entraîner vraiment, et que là, son propre niveau d'entraînement, ou en tout cas côtoyer les personnes, les professeurs même à distance, comme on peut faire maintenant, c'est une façon d'augmenter, d'améliorer son niveau d'entraînement qu'on appelle le Kung Fu en chinois. Kung Fu, c'est niveau d'entraînement, c'est l'entraînement aussi. Last month, I go to Xi'an Center, join a meeting. I met many teachers, even some teachers look very common, but with very good Kung Fu. Et le mois prochain, professeur Dong ira se rendra à Xi'an. Il apprécie d'être là-bas parce que le Kung Fu, justement, est très élevé, qu'il y a vraiment un environnement de sagesse très profonde. I also know Xi'an Center connect very good information from Dr. Pang. Le Dr. Pang est le fondateur du Zen Qigong, et le professeur Dong précise qu'à Xi'an, vraiment, on est au plus près des préceptes du fondateur, du créateur du Zen Qigong. Xi'an Center is the biggest Zhenneng Science Research Center, Training Center, Healing Center in China. Et que c'est une chance d'avoir un centre à la fois de recherche, de soins, de convalescence, d'entraînement. Et tout ça, toutes ces activités-là sont réunies au centre de Xi'an. Xi'an Center. Many people lack very much. And also for me, when this time I go to Xi'an Center, I know Xi'an Center much more better. Then I decided to join that team. Le centre de Xi'an est très renommé. Les gens qui y vont sont toujours très heureux de l'avoir connu, ce centre. Et pour le professeur Dong, c'est pareil, parce qu'il aime beaucoup travailler avec l'équipe, qui est chaleureuse et de grande qualité professionnelle aussi. And also, for Shuzi Mingmu, the method I researched for 16 years, I found the best place for the Shuzi Mingmu, that is the Xi'an Center. So I gave this method to Xi'an Center. So later, this method will belong to Xi'an Center, not belong to me. Professor Dong
explique qu'il a 16 ans de pratique au niveau de toutes les problématiques visuelles et, comment, et qu'il partage aussi son savoir au, au centre de Siam. Because Shuzhen Mingmu comes from Zhenren Qigong, and now many years I don't know where Shuzhen Mingmu will go, but when I get to Xi'an Center, I know. In Xi'an Center, they have more good wisdom teachers. They have big team. They can really develop Shuzhen Mingmu theories and methods very well. La pratique de la méthode de professeur donc c'est le Shuzhen Mingmu et qui est issu donc comme je vous ai dit du Jinan Qigong et au centre de Xi'an ce qu'il apprécie beaucoup c'est par ailleurs c'est que l'équipe également pratique Shuzhen Mingmu. Et que donc des études aussi sont des... on consigne aussi les résultats, la façon de pratiquer au centre de Xi'an pour spécifiquement Shuzhen Mingmu, puisque c'est ce qui nous intéresse. I talk a little about other topics. Now we ask teacher Chen to talk something. Maintenant, Chen 老师在不在？voir un autre professeur. Chen 老师在吗？可以举手。你看到陈老师来吗？陈老师今天没来吗？ Maybe teacher Chen have something. Il est mort de rire. Donc on attend l'arrivée du troisième collègue. No matter, Il y a peut-être un petit souci de connexion. Yes, he is not here. I can't find him. Maybe he's a little busy for something. Donc voilà, il y a peut-être un problème de connexion pour l'instant. Okay, so we can start. Donc on va commencer. First, thank everyone, all the organizers to make our this free session very successful. Je donc remercie toute l'équipe des organisateurs d'avoir mis au point de façon réussie toute. Also, our main and June course is also very successful. We already have about 180 participants registered for this two-month course. Donc, professeur Dong est très heureux parce que en pré-inscription pour la session d'aujourd'hui qui est offerte, il y avait jusqu'à 800 personnes qui avait répondu positivement à la proposition. Il est très touché de ce succès. Today we will talk the basic principles of our asset improvement, relaxation and confrontation. Donc aujourd'hui, nous allons parler des principes de base de la pratique qui sont
la relaxation et ce qu'on appelle la confrontation. Ça sera défini un peu plus tard. Dans... First, we talk. You can perfect your vision. Donc, on va d'abord parler un peu de la vue, de la vision. From a shuzi mingmu practice, we already have many beautiful stories. Avec l'expérience qu'a le professeur Dong, bien sûr, qu'il a pu continuer énormément de témoignages de succès dans. Just now, Isabel from Mexico shared her story. She not only improved the vision, but also improved the health and the mind. Et une des voies pour améliorer sa santé, c'est aussi d'améliorer son état d'esprit. Et c'est comme ça qu'on parvient vraiment à améliorer sa santé d'une façon générale et à la fois précise quand on a une problématique. The inflammation disappeared. The black spots disappeared. Sleep well. No fear. This is a very beautiful feeling. L'inflammation, des problèmes de sommeil, de difficultés de vie, on va dire, tout ça peut se résoudre. L'inflammation tombe, on peut dormir tranquillement, l'état d'esprit s'apaise. Now I share another beautiful story from my email. Et donc, on va écouter un autre témoignage. This is a story is about macular degeneration. I think many people know Britta. Britta, she in South Africa and in Germany. A few years before, I worked in Hainan. Hexingji Center. Donc, il s'agit she and her mother Britta, go to the center a few times and vision training. Du Sud, si j'ai bien saisi. After, et elle est d'origine allemande. When they come back, keep on practicing. And he gave me a few emails about it. Et donc, Britta témoigne de ce qui s'est passé de façon tout à fait positive pour sa maman. Donc c'est un témoignage de février 2018 et sa maman a commencé à pratiquer la méthode du professeur Dong, Shuzhi Mingmu, à partir du mois de novembre 2017. Donc pendant 4 mois, le témoignage est apparu 4 mois après. Sa maman souffrait de dégénérescence maculaire, principalement dans un des deux yeux. Et comme elle avait également un œdème. I read that from the email. The following content is from email on February 27th, 2018. Donc voilà. Dong 老师, I'm happy to share with you that my mom successfully healed part of her eyes diseases practicing the Mingmu method since November. Voilà, le professeur donc lit le témoignage. Britta est très heureuse de partager la belle pratique que sa mère a depuis 4 mois. Et elle a recouvré une partie de la vision. The macular degeneration in one of her eyes disappeared completely. Also, edema, concretion, and the vision of black spots disappeared. Donc, la dégénérescence maculaire avait complètement disparu pour un des deux yeux, ainsi que l'œdème, les dépôts qu'il pouvait y avoir. Et she just has to continue to heal her other eye, which is already improving, but not completely healed yet.
Et la maman de Britta donc, continue à pratiquer parce qu'elle doit continuer à guérir son deuxième œil. C'est en cours d'amélioration, mais ce n'est pas complètement guéri encore lorsque Britta a écrit. Thank you so much for having shared this message with us. My mom will write the report about her healing progress together with the eye doctor's measurement. Donc, la maman de Britta remercie bien sûr chaleureusement le professeur Dong. Et elle disait à l'époque qu'elle allait faire part de ses progrès grâce à la méthode aux ophtalmologistes. We are happy to share this story, a healing story for you to share with your students and clients. Et qu'elle allait consigner avec le médecin, aussi, comparer les progrès, confronter les deux systèmes pour en faire part au professeur Dong. The second story is from October 30th, 2018. Professeur Dong va également lire un deuxième témoignage qui date de la fin octobre 2018. Dear Dong, I wanted to share with you that my mom's eyesight has improved again and the macular degeneration is almost disappeared now. Donc la personne veut partager au professeur Dong que sa mère a eu une amélioration importante de sa vue et que la dégénérescence maculaire a presque disparu. Donc là, on She had an eye examination by a doctor yesterday who shared the wonderful news with her. Et lorsque l'ophtalmologiste a examiné sa patiente, en fait, il était bien sûr très heureux de pouvoir lui dire que la dégénérescence maculaire avait... According to Western medicine, this is impossible, but with the Zheneng Qigong, true is true. En médecine occidentale, ça, c'est impossible qu'il y ait régression d'une dégénérescence maculaire, mais avec le Zheneng Qigong, c'est une vérité. Ça arrive. Vraiment. Miracles can happen. Et donc la personne écrit de véritables miracles peuvent advenir grâce à la pratique du Zheneng Qigong. So for macular degeneration, also is a very difficult vision problems. Other vision problem is no problem compared with problem. Il est vrai que les problèmes visuels, ce sont des problèmes qu'on ne peut pas comparer aux autres problématiques de santé, et particulièrement quand il y a une dégénérescence. According to our experience, no matter any vision problem, no matter any age, if you really keep on practice, try your best. You can recover your vision. No any doubts. Professeur Dong insiste sur le fait qu'il ne faut pas faire attention plus que cela à l'âge qu'on a quand on commence à pratiquer, à la problématique qu'on a, au diagnostic qui a été posé. Il faut simplement maintenir sa pratique vraiment très assidue. 176 people joined the vision training online session. Et maintenant, on fait des sessions d'entraînement par Internet. Recently, I have a simple summary. Just ask the people, tell us if you improved vision or not. Just say yes or not. Totally 51 people answered, but 38 people answered yes. Quand il y a des sessions, en quelques jours déjà, si j'ai bien saisi, 51% des personnes ont des améliorations significatives. Après un moment où ils ont continué, poursuivi leur pratique,
par eux-mêmes. 67% aussi ont des améliorations significatives. I recently also summarized the 16 years development of Shuzi Mingmu. Et donc, nous allons voir ce qu'est la pratique de Shuzi Mingmu. I summarized four times the vision training, phase by phase, this kind of training. Jusqu'à présent, bien sûr, les sessions se faisaient en présence. On était en face les uns des autres. 90 people joined four times the training, and 82 people improved the vision. Et ultimement, c'est 82% des personnes qui améliorent leur situation. There are two children in class. Almost each child improved the vision. Et dans toutes les classes, dans toutes les sessions qu'a pu guider professeur Dong, les gens ont toujours des améliorations. Après, il y a une gradation. Donc, tout le monde vit une amélioration. In fact, some people feel their vision not improved. I feel they should have some reasons. They can't follow the rules of the practice. Et lorsque les gens ne sometimes pas d'amélioration de leur situation visuelle, c'est parce qu'on n'a pas réussi à trouver la racine du problème. Donc il y aurait la racine du problème personnel. Il y aurait maybe no, you can't feel the faire. Improvement, but if you keep on practice, try your best, you can find, you can really also improve. Néanmoins, si vous maintenez votre pratique assidue et régulière, vous allez avoir des résultats, et peut-être que même vous trouverez par vous-même l'origine, la race, ce qu'on appelle la racine en Zen Qigong. Des problèmes qui. After a while, we will talk a little more about it. Et au fil des sessions, on va parler davantage de ce qu'on appelle la racine. Now we talk about theory. First, the theory of perfecting vision, basic perfecting vision. The basic theory is a holistic theory. La théorie. Parfaire la vision, c'est vraiment une théorie holistique, c'est-à-dire on se considère soi-même dans sa globalité. Our vision will connect our body, our healthy, our mind, family, the group, society, everything connected our vision. Tout est connecté à notre vision. Il y a notre corps, notre soi-même, le corps. Tout ce qu'on a dans l'aspect de la santé, il y a la famille, le système de l'éducation quand on est jeune, et puis après la société, le travail et tout l'environnement. La vision est connectée à tout. Basic holistic theory includes three aspects. One is the human being and the universe are one. One is the human being and the society are one. One is the human being is themselves, body, mind, and qi are one. Cet aspect qu'on dit holistique, en fait, c'est que soit on est connecté à tout, on est connecté à l'univers, on est connecté à l'environnement, aux autres. C'est pourquoi on envisage l'aspect, enfin, la vie d'une façon holistique, totale, globale. Il n'y a pas de séparation. The advanced theory is a three-layer matter theory. What is a three-layer matter theory?
Three layer include information, energy, and matter, materials, physical thing. Dans les théories, il y a donc ce que vous avez entendu tout à l'heure, la théorie des trois niveaux de la matière. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a un niveau qui s'appelle l'information, un niveau qui s'appelle l'énergie, et un niveau qui s'appelle la matière dans le sens physique, concret. Tout ce qui est concret, c'est un niveau. Here, information means include our consciousness and the qi, the foundation of the universe. Our universe, everything was born from the qi. Dans le premier niveau, il y a la conscience et le qi. Le qi, c'est le mot chinois pour dire énergie. Et donc, la conscience et le qi, ce sont vraiment les fondations de l'univers. C'est là-dessus qu'est créé l'univers. Energy, like electricity, magnificent light, all of them is energy. Quand on parle de l'énergie, c'est par exemple l'électricité. On peut très bien comprendre ce qu'on veut dire par là. Matter. Here, matter means physical thing. This three layers matter theory is these three layers matter can transform each other. Le troisième niveau, donc c'est ce qu'on a dit, la matière, tout ce qui est concret, physique, c'est les choses qui nous entourent. Et donc cette théorie des trois niveaux de la matière, les trois matières qu'on vient d'évoquer, en fait, dans cette théorie, elles s'influencent l'une des autres. Spatial en permanence. Materials. Et quand il y a défaut sur l'information ou l'énergie, la matière peut subir les conséquences. Correct. Au niveau du corps, c'est la santé qui va s'altérer. C'est ce qu'on pourrait dire. With the high level kung fu, they can produce something from nothing. Et c'est en élevant notre niveau d'entraînement, notre kung fu, qu'on va pouvoir élever notre niveau d'énergie. This nothing, not really nothing, just is a very fine, very even. This is the original Hunyuan Qi. Ce qu'on appelle Hunyuan Qi, le Qi primordial, c'est quelque chose qui est très fin, très subtil, très égal aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de saccade. So nothing can give birth to something. What is impossible? This theory is a little deep. So according to this theory, no matter any vision problem, you can get what you want if you cette théorie est très continue. Profonde. Never give up. Là, en fait, juste on énonce des grandes lignes, on la survole. Mais avec cette théorie, vraiment, le professeur donc nous l'assure, rien n'est impossible. Et c'est pourquoi on peut vraiment recouvrer notre santé, recouvrer la vue, la vision. Simplement, il ne faut pas abandonner, il faut se maintenir dans sa pratique. Okay. And for this course, you also include the learning and practice of looking far away, opening and closing, whole body qi adjustment for the eyes as well as the whole body. So as to enable all of you to experience the effectiveness of Shu's pneumotraining method.
Les exercices principalement vont être sur la vision de loin, la vision au loin, quel que soit les diagnostics qui ont été posés, ce dont on souffre au niveau ophtalmo. Et comme on travaillera donc au loin, et si la vision s'améliore au loin, elle va aussi s'améliorer en vision de près. But it is very important. Donc, aujourd'hui, même si la session est offerte, il faut bien considérer que c'est important d'entendre les bases, les fondamentaux de ce qu'on va vivre pendant les. And at last, we will learn how to consolidate your vision. Et au fil des sessions, on va consolider notre la vision. The second big topic is you can perfect your body and mind. Le deuxième grand sujet, c'est le corps et l'esprit. First, I used the Zhen Qigong to defeat thrombocytic panic papyrus. Et grâce au Zhen Qigong, on peut vraiment combattre, on pourrait dire, toutes les problématiques. It's also difficult problem for the Western medicine. Et quelles que soient les problématiques, on peut vraiment tout améliorer. Before I practice the Zhen Qigong, I also eat the medicine. But after I stop the medicine, the problem come back again. Quand on utilise les médicaments, parfois on a des bons résultats, mais dès qu'on arrête les médicaments, les problèmes reviennent. Alors qu'avec le Zhen Qigong, les résultats sont intensive study of Zhen Qigong in 1993. After graduation, I worked in the healing department mainly for cancer curing training. Quand le professeur travaillait à Huaxia, au grand centre de Huaxia, il était dans le département de guérison. Cancer can be cured. Les problématiques de cancer. So other illness is no problem. Et en fait, dans la philosophie du Zhen Qigong, on dit que la maladie n'est pas un problème. And I also found, especially in recent 10 years, more and more high-level Kung Fu people come from Zhen Qigong. Et il a pu voir que le Kung Fu, des gens vraiment s'est amélioré énormément, s'est renforcé au fil des 10 ans qui viennent de s'écouler. Zhen Qigong have the best theories and methods for everything you want. Improve Kung Fu, recover your illness, open wisdom, liberate your body and mind. Avec le Zhen Qigong, donc avec la théorie du Zhen Qigong, avec les méthodes, les pratiques du Zhen Qigong, on peut vraiment améliorer sa vie de façon totale, que ce soit au niveau de la sagesse, au niveau du corps, de l'esprit. Quand on a des maladies, on peut vraiment tout envisager, tout prendre en charge et améliorer avec les pratiques du Zhen Qigong. Because the Shouzhen Nimu based on Zhen Qigong theory and methods. So it not only can improve your vision, but also can perfect your body and mind. Et c'est pourquoi
la méthode du professeur Dong est efficace, c'est parce qu'elle est issue du Jinan Qigong. Now we together ready to practice Luoping Fa Wei method. Et donc on voit toutes les améliorations en ce qui concerne les problèmes de vue grâce aux exercices avec la vision au loin. Please follow our preparation requirement. Sit in your practice position and look at your half blurred object. If you have not prepared the object, you can practice by looking at a half blurred target around you, or you can practice by watching the training chart on the screen. I will share it. Donc, quand on s'installe pour pratiquer, on met ce qu'on appelle une cible, une planche au mur. Et ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas une vision nette. Il faut avoir une vision à moitié floue. Donc, si vous avez quelque chose à regarder au mur, en gardant la tête bien droite, ou alors un objet, vous pouvez vous installer de façon à ce que cet objet ne soit pas net quand vous le regardez, mais qu'il soit à moitié flou. After a while, we will create a qi field, and we also chant eight phrases. So you just follow my instructions, going to the Qigong state. Et dans la pratique, on crée également le chant de Qi et on récite ou on écoute la récitation du poème des huit phrases. Poème qui a été écrit par le Dr Pang, le créateur, le fondateur. And now we talk the notes of our practice. After we practice, we need to notice something. When practicing, try not to blink your eyes. If your eyes are tired, you can close your eyes and rest for a while, then continue to practice. Qui est important de respecter quand on pratique l'exercice de la vision au loin, c'est de ne pas cligner des yeux, absolument pas. Donc on fait tout son possible. Et si vraiment c'est trop difficile de garder la. We will practice the looking far away 10 minutes. Alors, try your best, no blink. On fermera les yeux et on les gardera fermés pendant un petit moment pour les mettre au repos. Quand on parle de l'exercice de regarder au loin, ça dure 10 minutes. Ce n'est pas si long que ça, mais parfois c'est un peu difficile. Néanmoins. And remember, your first time, no blink time. How long you can keep on? No. After finishing, you had better write down. Donc, souvenez-vous, là, c'est la première fois que vous allez pratiquer la vision au loin. Donc, vous faites votre possible. Et après, souvenez-vous aussi que vous aurez un temps de repos, les yeux fermés. For the children, not easy to keep on. We can give a reward. Merci. If you keep on, you will get a reward, beautiful thing. Donc, si vous avez des enfants qui pratiquent là l'exercice, il faut vraiment que vous en occupiez. C'est vous qui devez gérer la qualité de leur pratique et leur expliquer tout ce qu'ils ont à faire. Okay. I will share the chat. Voilà, professeur Dong met
devant nous une cible, une planche, qui est en chinois. You know, this is a meeting, a meaning. This is the first sentence is a vision training chart. Donc, le, en haut, horizontalement, c'est simplement planche de vision pour évaluer la vue, planche d'évaluation de la vision, de la vue. Et verticalement, il va nous faire découvrir. Next seven was the meaning my eyes bright already. Donc, mot à mot, en fait, les deux premiers caractères en haut, ça veut dire mes, M-E-S, mon, mes. Les deux suivants, yeux. Cinquième, sixième, ça veut dire brillant, clair. Et le dernier, c'est déjà, qu'on pourrait traduire en français pour que ce soit une jolie phrase et comme un mantra qu'on peut se répéter. Mes yeux sont en pleine santé et voient parfaitement. You will already have target. You need to look at this one. Donc, en fait, vous pouvez regarder un des niveaux puisque les caractères ont une différente taille et vous maintenez votre vision stable. So, everyone, please find your half blurry target. Vous choisissez soit au niveau de la mire à l'écran, mais vous devez sûrement devoir vous déplacer, ou un objet autour de vous que vous allez voir à moitié flou. Et vous maintenez votre vision stable sans cligner des yeux. After a while, we will look at this target without a blink. Là, il s'agit de maintenir sa vision sans cligner des yeux. Tita Dong, one question. If people have wear glasses, should they take off the glasses? Okay, now we create a chi field. Avant de commencer les exercices de vision. Yes. On va, enfin peut-être, je ne sais pas, créer le champ de ce qu'on appelle le champ de chi. Yes, if you wear glasses, no matter, better take off glasses. Donc, with glasses, also okay, just to find a half blurry target. De lunettes, de verre correcteur, bah vous faites comme vous voulez. Il sera peut-être plus judicieux de les ôter néanmoins. Mais le professeur Long dit que si vous préférez les garder, vous les gardez. Ce qu'il faut, c'est pouvoir, quand on fera les exercices, voir à moitié flou. If you are two, as vision is a big difference, you can cover the better one, only practice the worse one. Donc, si vous avez une différence de vision entre les deux yeux, il est mieux de cacher l'œil qui voit le mieux pour faire travailler celui qui voit le moins bien. Practice this method need enough energy. If you feel tired, you can practice less time or close the eyes only with the imagination to practice. Et il y a aussi une pratique qui se fait avec des visualisations. Okay, now we start. Donc, nous allons commencer. Sit upright. On s'installe physiquement, corporellement. Le corps, on peut être assis, debout. Close the eyes gingerly. Donc le corps est bien droit, bien aligné. Et lent, doucement, on ferme les yeux. Ah oui, suspended. On est suspendu par Pairoi. Pairoi est un point qui se situe au sommet de la tête. Et on imagine le menton est reculé pour atténuer la courbure du cou. On ne penche pas la tête. Le menton est juste. Relax the head under the neck.
On détend la tête, le cou. Relax the chest and the upper back. On détend le buste, le haut du dos. Relax the abdomen and the lower back. On amène la détente dans l'abdomen, dans le bas du dos. Relax the arms and the legs. Et on continue d'amener la détente dans les bras. From up to down, from inside to outside, totally relaxed. Les jambes jusqu'au bout des pieds et des orteils. On se détend de l'intérieur vers l'extérieur. Think of the universe to other directions, the infinite space. On va vers l'univers dans toutes les directions. On se connecte à l'infini de l'univers. Feel the original Huiyuan Qi in the universe. Et on imagine qu'on parvient à se connecter au Qi primordial, à Huiyuan Qi. Which is very even, very fine. No boundary formless. Huiyuan Qi qui est tellement subtil. Et on est limité par rien du tout. On peut vraiment se connecter à Huiyuan Qi. Draw the mind back. Think of our Qi field. On revient, on ramène son esprit à l'intérieur du champ de Qi. The universe, Huiyuan Qi, following the mind, come into our Qi field. Huiyuan Qi, grâce à notre esprit, revient à l'intérieur du champ de Qi. Huiyuan Qi, le Qi primordial. All of us stay in the same biggest Qi field, the Earth Qi field. Nous sommes tous, autant qu'on est tous ensemble dans le champ de Qi. On est dans. Think of inside the body. De la terre. Et tout cela pénètre à l'intérieur. Qi continue coming into the body. Le Qi vient à l'intérieur du corps. Feel inside and outside. Qi is plentiful. Le Qi est abondant à l'intérieur de nous. Everything, everyone, transform into Qi. Chacun se transforme en Qi. Merge into the universe. Et fusionne avec l'univers. We are one with the universe. On devient un avec l'univers. The universe, like a big Qi ocean. L'univers, c'est comme un immense océan d'énergie. In this entire state, universal energy will automatically heal ourselves. Et dans cet état holistique, cet état où on est entier, on se sent en sécurité. All the universe's problems will automatically disappear. Toutes les problématiques, toutes les maladies, de façon automatique, disparaissent. Now we use eight phrases to make our Qi field stronger. Et pour renforcer notre champ de Qi, nous allons entendre ou réciter le poème des huit phrases, les huit vers. The head go up to the sky. The feet go down to deep the earth. La tête pénètre dans le ciel. Les pieds pénètrent dans la terre. The body is relaxed. The mind expands out. Le corps est détendu. Et l'esprit s'agrandit, prend de l'expansion.
You are very tall. You like a big tea column. Connect the heaven and the earth. Vous êtes immense. Vous êtes comme une immense colonne connectée à l'univers. Un immense canal connecté à l'univers. You are very big tea person. You can touch the boundary of the universe. Vous êtes une colonne de chi immense, tellement immense que vous pouvez toucher les limites de l'univers. Be respectful, be quiet inside. On est dans une attitude de respect et à l'intérieur, on est tranquille. The mind is still. Your appearance is humble. L'esprit est calme, clair, et nous avons une apparence d'humilité. Inside like a clear water, no any waves. À l'intérieur, c'est comme une eau calme, sans vagues, sans vaguelettes. Keep the mind still, think nothing. On ne pense à rien. L'esprit est calme et tranquille. The mind expands out to the infinite space. L'esprit est tourné vers l'infini de l'espace à l'extérieur. With the mind illuminate the whole body. Et l'esprit également illumine tout l'intérieur de notre corps. The whole body is harmonious with qi. Et le corps tout entier s'harmonise avec le qi. Through eight phrases, we go into the best qigong state. Avec ce poème, on va vers le meilleur des états. All of us become energetic. Et chacun d'entre nous devient pure énergie. In our body, in our eyes, we have enough energy now. Et notre niveau d'énergie s'est renforcé. Now, please be ready to practice the looking far away method. Et à présent, on s'est préparé à la pratique pour regarder au loin. And the first 3 minutes, I will tell everyone the time. Le professeur Dong indiquera le temps. Okay. Slowly open the eyes. Très lentement, ouvrez les yeux. Look at your target. Start. Regardez votre cible ou l'objet pour lequel vous avez une vision à moitié floue. Ten seconds. On va tenir 10 secondes. 20 seconds. On a tenu, pardon, maintenant. On a tenu 20 secondes. 30 seconds. 30 secondes se sont écoulées. On reste le regard fixe. On ne cligne pas des yeux. 40 seconds. 40 secondes. 50 seconds. 50 secondes se sont écoulées. One minute. Une minute est passée.
1:30. 1:30. Toujours sans cligner des yeux. On est arrivé à 2 minutes. On dépasse les 2:30. À présent, nous dépassons les 3 minutes. Nous commençons là. Now, please keep on to 10 minutes. Et on va essayer de maintenir l'exercice sans cligner des yeux pendant jusqu'à 10 minutes. On essaye. If you feel tired, you can close eyes. Really. Si vous sentez de la fatigue, vous pouvez fermer les yeux et les garder un peu fermés pour qu'ils se reposent. Puis vous reprenez l'exercice de regarder. If you feel the eyes pain, sore, uncomfortable, tears coming out, ignore it. Si il se peut que ça soit un peu tendu, que les yeux larmoient, que peut-être même le nez coule, essayez de maintenir la vision au loin, fixe. Vous pouvez vous moucher, bien sûr, vous essuyez les yeux, mais maintenez le regard fixe si vous n'avez pas eu besoin de fermer les yeux. Tous ces signes sont des réactions tout à fait normales, fréquentes. Some people will have the feeling instant clear, maybe 1 second or 2 seconds. Il est possible que pour certaines personnes, pendant 1 seconde ou 2 secondes, la vision soit totalement claire. C'est possible. This is the sign your vision improvement. Et c'est un signe que vraiment vous êtes sur la voie de l'amélioration de votre vue. So continuously practice, the clear time will become earlier and longer. Et c'est vraiment avec cet exercice tout simple qu'on peut améliorer sa vision. Il faut maintenir la pratique régulière et assidue. Your vision will automatically improve. Et votre vision va de façon automatique s'améliorer. Also, if you can improve
the no blink time longer and longer, your vision also will improve automatically. Et même si vous n'arrivez pas à améliorer au moins les premiers temps, le long temps de maintenir la vue sans cligner des yeux, néanmoins, votre vision va s'améliorer. According to before, I give training face by face. About half people in the first 2 days can get the instant clear feeling. Quand professeur donc fait les sessions en présence, sur les deux premiers jours, il y a des par instant des améliorations que les gens vivent, perçoivent. But also, if you don't have this feeling, you just keep on. Maybe this feeling comes later. Et ne soyez pas préoccupé. L'amélioration peut survenir un petit peu plus tard. Tout ne se débloque pas instantanément, même pour une seconde. Parfois, il faut attendre un peu. Also, some people have the clear feeling gradually, not instant. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas une progression linéaire de l'amélioration de la vue. Ça dépend des personnes. And also, we asked everyone, before the session, you should check your vision. And also, today, after the session, you had better check your vision also. Donc pour ceux qui vont s'inscrire ou qui sont déjà inscrits, avant de commencer le cursus, il faudra tester votre vision. Et néanmoins, aujourd'hui, pour tout le monde, vous pourrez contrôler un peu votre vue et voir si elle s'est améliorée. According to the training offline, face by face, only one time training, most people through the examination of the vision can find their vision already improved. Quand on fait les sessions en présentiel, pour tout le monde, il y a une amélioration de la vue. Tout le monde tire des bénéfices vraiment des sessions. Okay, relax. Très bien, détendez-vous. Okay, 10 minutes. On a fait les 10 minutes. Close the eyes gently. Fermez doucement les yeux. Relax the whole body. Détendez l'ensemble du corps. Think nothing, just keep a relaxed state. Ne pensez à rien. Simplement maintenez-vous dans l'état de détente. In this relaxed state, your energy will continuously growing up. C'est en se maintenant dans cet état de détente que le niveau d'énergie peut monter.
Okay, now you can keep closing eyes. You can also open the eyes. We continue our lesson. Soit vous faites comme vous souhaitez, vous pouvez maintenir les yeux fermés ou bien doucement les ouvrir. Nous allons continuer néanmoins. Keep your qigong state. Et que les yeux soient ouverts ou fermés, maintenez votre état de qigong. Even you open the eyes, you can still connect the qi field. Et même si vous ouvrez les yeux, vous pouvez rester en connexion avec le champ de qi. Now we talk the fourth big topic, the basic principles of improving affect, relaxation, and confrontation. Donc, on va voir le grand, la grande partie qui est relaxation et confrontation. For ordinary people, if they take a good rest, sleep well, and have a peaceful mind, this is already relaxation. Pour les gens qui ne sont pas pratiquants de Zen Qigong, ce qu'on appelle la relaxation, c'est quand on fait une sieste, c'est quand on dort bien, c'est quand on est détendu, qu'on est de repos. For Qigong practitioners, this is not enough. Mais pour les pratiquants de Zen Qigong, ce n'est pas seulement cela. On pourrait même dire que ce n'est pas... They can practice the relaxed Qigong method, like creating qi field, opening and closing, and adjustment of whole body, all of them belong to relaxation method. Mais en fait, vous avez vu qu'on est dans un état particulier qui s'appelle l'état de Qigong. Et dans toutes les pratiques du Zen Qigong, on s'installe dans cet état-là, quoi qu'on fasse. Through relaxation, you can get enough energy. Et c'est dans l'état de relaxation qu'on va pouvoir obtenir suffisamment d'énergie. Illness, no matter vision or healthy. The reason is because the energy is not enough and not flow well. Et une des raisons pour lesquelles on tombe malade, quelle que soit la maladie, que ce soit au niveau du corps ou au niveau du système de la vision, en fait, c'est parce que notre niveau d'énergie n'est pas suffisant. So many people only relax enough, only get more energy, their illness also will automatically recover. Et c'est avec cette façon d'être, on pourrait dire, qu'on va de façon automatique recouvrer la santé. So just now, when we create the qi field, when we go into the eight phrases state, we already relaxed very good. We already get the energy from the universe. Ce que nous avons fait, la création du champ de qi, la récitation, là, qui était un peu informelle du poème des huit phrases, on s'est installé dans l'état de Qigong, dans cet état de relaxation profonde. We have too many relaxation methods, but you had better focus on one and go into deeper and deeper state. Nous avons un nombre incroyable de pratiques en Zen Qigong. Et bien sûr, quand on débute, il vaut mieux en choisir une et l'approfondir. C'est-à-dire approfondir l'état. If you really practice,
like this, you can get energy. No any doubts. Sans aucun doute, en pratiquant ainsi, juste ce qu'on vient de faire, vous pouvez vraiment accroître votre énergie et aller à nouveau vers la santé. Sans aucun doute. After a while, we will practice open and close, like this, open, close, give healing. Et il y a aussi la pratique to the whole body. This is also relaxation. Ramener le chi. Going to energetic state. La pratique où on soulève le chi, on le déverse en soi. Vous avez vu la gestuelle du professeur Dong. Et ça, ce sont deux pratiques complémentaires pour justement accroître notre niveau d'énergie et la qualité de notre énergie et retourner vers, recouvrir la santé. Retourner vers un état de santé. Now we talk about what is the confrontation. Et à présent, nous allons évoquer ce qu'est la confrontation. For ordinary people, against their traditional ideas, against their own bodies, against their own vision. All of them belong to confrontation. Pour les gens qui ne pratiquent pas le Zen Qigong, quand on dit confrontation, en fait, c'est tout ce qui s'oppose. C'est par exemple s'opposer à des idées de tradition, on va dire. Peut-être se bagarrer, on va dire, ou alors contraindre son corps aussi, ça peut être ça. Et c'est aussi tout ce qui gêne la vision. En fait, les gens qui ne sont pas dans le Zen Qigong, le mot confrontation, c'est quelque chose qui a une connotation très négative. Something you feel difficult, you feel hard, but you still try your best to do it. You still confront your mind and do it. This is the confrontation. Et l'autre point de vue qu'on peut avoir à propos de la confrontation, c'est que et qui donne un peu chaud, d'après ce que j'ai compris, c'est de maintenir la pratique. Donc, et on continue, on insiste, comme tout à l'heure, par exemple, quand on a refusé de cligner des yeux. Ça fait partie de ce qu'on appelle la confrontation. Donc For Qigong practitioners, if you practice hard, stop blinking when looking far away, also hard work. Donc voilà, les pratiquants de Zen Qigong, c'est ça, la confrontation, c'est maintenir, être assidu, c'est œuvrer durement, on va dire. Parce que ce n'est pas un travail de garder les yeux ouverts sans cligner des yeux, mais on va maintenir la pratique, même si c'est très désagréable. When we practice looking far away, we ask everyone to find a half blurry target. You can't see clear, but we confront our eyes, our mind. Keep on, try our best to see clear. Then gradually you feel clear. You see clear. You are successful with the confrontation. Dans la confrontation, vous avez vu, il y a aussi l'état d'esprit. Donc, avoir choisi soit la cible au mur, soit un objet autour de soi qu'on voit à moitié flou, ça aussi, c'est se confronter à soi-même. Et petit à petit, avec la pratique, les yeux vont à nouveau nous permettre de voir clair. Tout le système visuel va se libérer. Et ça, c'est une confrontation. Parce qu'au niveau de l'esprit, ce n'est pas toujours simple non plus. Mais on maintient. In fact, confrontation can help qi and blood go to deeper and deeper layer. Et dans cette pratique de la confrontation, ce qui se produit, c'est que l'énergie et le sang vont aller dans des couches plus profondes dans notre corps. C'est ça qui permet de restaurer la santé. Ça va se remettre à circuler. Les blocages vont se lever. For normal practice, for many people, if they only practice the relaxation method, qi and blood, not easy to go to deep. Et en fait, pour les gens qui ne pratiquent pas le Zen Qigong, ce qu'on appelle le commun des mortels, c'est compliqué, voire impossible, de faire circuler l'énergie et le sang de façon plus profonde.
davantage en profondeur. But with the confrontation method, when you practice, you feel pain and comfortable. This means qi and blood is going to deeper, is try to find their new way, open their new way. Yeah. En fait, dans cette méthode de la confrontation, où on se sent en inconfort à divers niveaux, où on peut ressentir même des douleurs, des inconforts physiques, en fait, c'est le signe que, comme on dit parfois, le qi et le sang sont en train de frapper à la porte. Ils sont en train de tracer un nouveau chemin, de désobstruer ce qui est obstrué. Et c'est ça qui confronte, c'est ça qui est inconfortable. On dit le qi frappe à la porte. So, with the relaxation and the confrontation method, we need to find that balance. Et grâce à la relaxation et la confrontation, grâce à ces deux méthodes, on retrouve son équilibre. Through relaxation method, we get more energy. Through confrontation method, we help qi and blood go to deeper. Then, no matter any illness, you can heal yourself, recover yourself. Avec la relaxation, on augmente notre niveau d'énergie. Avec la confrontation, le qi et le sang vont dans nos profondeurs, là où c'est bloqué. Et c'est ainsi que par soi-même, on va pouvoir aller sur le chemin de la santé et se guérir véritablement. Now I share a very beautiful story. À présent, professeur Dong va partager une merveilleuse histoire. Dr. Pang talked his story a few times. Dr. Pang also knows this person very well. This person also is a leader in the government. He supports Qigong very much. Dr. Pang a déjà relaté plusieurs fois cette histoire et qui est arrivée à quelqu'un qui appartient au gouvernement chinois. Et par ailleurs, le Jinan Qigong est une pratique qui a été vraiment soutenue par le gouvernement chinois pendant plusieurs années parce que, bien sûr, c'est... La story name. Learn Liu Bianqi, reading without classes. Et c'est comment le témoignage, comment à nouveau pouvoir vivre le port de Zhang Xinglian. Donc, il s'agit de l'histoire de Zhang Xinglian. Release 10, 2007, March 9th. Ce témoignage a été fait en 2007, en mars 2007. This story is from the newspaper, Health Times. Elle a été publiée dans le journal qui s'appelle Health Times, un journal de santé. Presbyopia begins from the age of 48. This seems to be a psychological phenomenon that no one can escape. Il est habituellement dit que la presbytie commence vers l'âge de 48 ans. Et ça, c'est quelque chose qui semble être un phénomène physiologique auquel personne ne peut échapper. I started to have presbyopia at the age of 49 and have been wearing reading glasses for more than 3 years. And the degree is getting higher and higher. J'ai commencé à être atteint de presbytie à l'âge de 49 ans et j'ai porté des lunettes pour lire pendant plus de 3 ans avec une forte augmentation of the myopia. Need to wear myopia glasses when I go out to walk and watch TV, and I must wear my reading glasses when reading books and newspaper. Par ailleurs, ce monsieur avait également de la myopie
de 200 degrés. Et il avait donc besoin de porter des verres correcteurs pour la myopie quand il avait besoin de, quand il devait marcher, se déplacer, regarder la télé. It is very inconvenient to use the two kinds of glasses, and I feel deeply distressed. Et il avait également besoin de ses lunettes pour lire et lire des livres et des journaux. Et donc c'était vraiment pas commode du tout d'utiliser deux paires de lunettes. At the age of 1993. I accompanied my mother to visit Li Binghui, the first director of the Bureau of Traditional Chinese Medicine and a leading Chinese medicine practitioner. Et à la fin de 1993, M. Zhang a accompagné sa mère pour une consultation auprès de Li Binghui, qui était le directeur principal du bureau de médecine traditionnelle chinoise et qui était. And asked Mr. Li to treat my mother. Qui était un leader en médecine traditionnelle chinoise donc, et ce monsieur a demandé à Monsieur Li de s'occuper de sa mère, de la prendre en charge, de lui donner des soins. Okay. Can you hear me? Hear me? Okay. Just the one, no electricity. At that time, Mr. Li was 80 years old. I was surprised to find that Mr. Li didn't wear reading glasses at such an old age. À cette époque de la consultation, Monsieur Lu avait 80 ans. Et le monsieur qui relate le témoignage était fort surpris parce qu'il a vu que Monsieur Lu, malgré son âge, ne portait pas de lunettes pour lire. I asked with curiosity how Mr. Lu keeps his eyes in such condition. Et donc, par curiosité, il a demandé à Monsieur Lu comment il faisait pour avoir des yeux en pleine santé à son âge. Mr. Li said that he had presbyopia at the age of 48. Et Monsieur Li a répondu, mais à 48 ans, j'ai commencé à être presbyte. At first, he did not wear reading glasses. Instead, he forced himself not to wear reading glasses when reading the newspaper. Et donc, en fait, Monsieur Li n'a pas porté de lunettes pour lire. Et au lieu de les porter, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est obligé. After about half a year, his eye no longer presbyopia, and he hasn't worn reading glasses since then. Et à force de s'entraîner à lire sans lunettes, en fait, après six mois, une demi-année, ses yeux n'étaient plus presbytes. Et il n'avait vraiment, bien sûr, plus besoin de porter. By going through relevant medical books, I understood the principle of presbyopia. Donc, M. Zhang a lu de nombreux livres de médecine et il a compris le principe de la presbytie. As we age and under the middle and old age, the elasticity of the or the ciliary muscles of the eyes become weakened. Donc, quand on avance en âge, vers la cinquantaine et après, l'élasticité des muscles ciliaires et donc la fonction d'accommodation se détériore. Il faut savoir que les muscles ciliaires sont les reading glasses are needed to rectify the problem. Sont des structures qui tiennent chaque cristallin. Il y en a deux dans chaque œil. Et donc,
I understand that the reading class is a kind of a physical adjustment. Et donc, Monsieur Zhang a compris que le port de lunettes de correction était comme une sorte d'ajustement, de réajustement. And accessing ciliary muscle function is the physiological adjustment. Et donc, s'entraîner à la vision directe sans les lunettes, c'est comme une sorte d'ajustement physiologique. This successful experience shows that the ciliary muscle function can be recovered through practice. L'ajustement se fait de façon physiologique au niveau des muscles ciliaires. Et c'est ce que ça a été l'expérience qu'a vécu Monsieur Liu, une expérience réussie, et qui prouve que vraiment ces structures later, I also try to read without glasses. Leur élasticité par une pratique assidue et constante. Donc, M. Zhang disait, plus tard, moi aussi, j'ai essayé de lire first, sans... I was not used to it. Mais au début, je n'étais pas du tout habituée. It was very difficult to read. Et c'était même très difficile de lire. But after about half a year, my eyes gradually adjusted and there was no discomfort. Mais après une demi-année, six mois, mes yeux se sont petit à petit ajustés. I completely said goodbye to my reading glasses. Et j'ai complètement dit au revoir à mes lunettes de vision de près. At the age of 67, I read manuscripts of tens of thousands of words every day and I can see clearly the smaller prints on books and newspapers. Et à l'âge de 67 ans, je lis des manuscrits où il y a des dizaines de milliers de caractères et je peux voir clairement les toutes petites inscriptions dans les livres et dans les journaux, ce qui est minuscule, on pourrait dire. So this is a very good story. He didn't know Qigong. He just confront with the vision. At last, he threw off the reading glasses. Donc vous voyez qu'avec une pratique assidue et constante, on peut recouvrer la vue, la vision, détacher les lunettes. C'est une jolie histoire. Now we learn and practice open and close, and also we give healing for the eyes and the whole body. Donc maintenant, nous allons découvrir et pratiquer la qi, qui est la pratique de ouvrir et ramener le qi, pour justement amener un réajustement au niveau des yeux. First, we talk about how to practice open and close. Donc, dans un premier temps, on va voir ce que c'est que cette pratique devrait ramener le qi. Et comment on fait. We take our hands like this, hold the qi ball. Vous voyez, on a devant soi, alors à hauteur d'épaule ou un peu plus bas, si les épaules ne supportent pas bien. Entre les mains, on imagine the front of our abdomen, chest also okay. On imagine entre les mains qu'on tient un ballon de qi. Et donc, on est plutôt au niveau de l'abdomen, au niveau du nombril. Relax your fingers, arms, shoulders. Et on est complètement détendu depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Et de temps en temps, pendant la pratique, on doit regarder comment, si on est... When I say open, everyone just open the hands gradually. Quand on dit qu'on ouvre, les mains se séparent. Donc, le bout des doigts est face à face. Et quand on sépare, c'est comme si... When I say close, everyone close your hands. Gradually. Et quand on dit ramener le chi, les bouts des doigts se rapprochent. Mais on ne les met pas en contact. When we close, not touch. More close, just not touch. On ne touche pas. Il ne doit pas y avoir de contact. On peut les rapprocher au plus près, mais jamais... When we open, also not... Much bigger. Mais
Par ailleurs, quand on ouvre, c'est relativement réduit. We will repeat sometimes. Some people will feel the special feeling, like you can't open. When you close, you feel blockage. You feel cold, hot. This is the qi feeling. Donc pendant, alors, donc il est d'abord dit qu'on n'ouvre pas de façon exagérée. Et pendant la pratique, vous pouvez avoir des sensations particulières. Vous pouvez avoir frais, chaud, ça peut picoter, quelque chose qui résiste. Donc, ce sont des réactions normales liées au qi. Donc, on peut commencer à pratiquer. When we have enough qi, we can hold this qi up and pour to inside the eye or any part of the body. Donc, professeur Dong guidera. On va le déverser, on va monter le ballon de qi qu'on a entre les mains vers la tête et on va déverser dans les yeux. Et avec un mouvement léger, on va lift the qi up to the front of the eyes, face the eyes, pour qi. With the mind, pour qi to inside the eyes. Avec, c'est une intention qu'on a, c'est l'esprit qui guide. Donc on dit qu'on déverse le qi dans les yeux, à l'intérieur de la tête aussi. Et dans le reste du corps, on accompagne avec un mouvement doux et lent des mains. If you want to pour qi to the whole body, you can lift up to above the head. Déverser le qi dans le corps tout entier, à ce moment-là, on soulève le ballon de qi jusqu'au-dessus de la tête, donc plus ou moins haut, suivant ce qu'apprécient les épaules. Et on déverse le qi down. Imagine the top of the head, like a bottle mouth, qui directly go into the body. On imagine qu'il y a une ouverture au sommet de la tête et on déverse le qi par là pour que le qi se répande dans le corps tout entier. Pour qi down, the hand is behind the body, but the mind through inside. Donc, les mains physiques sont bien sûr à l'avant du corps. Néanmoins, c'est l'esprit qui aide à la circulation, au déversement du qi. Et donc, c'est à l'intérieur, au centre de soi, que ça se passe. Puisqu'on a imaginé l'ouverture au sommet de la tête. OK, now we talk about the practice. Donc, nous allons pratiquer la qi, ouvrir et ramener le qi. Close the eyes gently. Doucement, on ferme les yeux. Relax the whole body. Détendez l'ensemble du corps. Connect our biggest qi field. On se connecte au plus grand champ de qi. The universe is the biggest qi field. C'est l'univers qui est le plus grand champ de qi. Merge ourselves into the universe. Avec l'esprit, on fusionne avec l'univers. Our body changes into qi. Le corps se transforme en corps de qi. Everything, everyone changes into qi. Tout et chacun se transforme en qi. Raise the hands, hold a qi ball. Donc, avec les mains, on soulève un petit ballon de qi jusque devant. On ouvre, les mains se séparent, bout des doigts face à face. Slowly and evenly. Et on bouge de façon égale, sans saccade. Close. Ramenez. Les mains se rapprochent, les bouts de doigts des deux mains se rapprochent doucement. Open. Close. Amenez. Les mains se rapprochent sans se toucher. Open. Ouvrez. Close. Amenez.
Open. Ouvrez. Close. Ramenez. 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 Okay, now hold the qi bao. À présent, soulevez le ballon de qi qui est. Lift the qi bao up. Et on soulève très doucement. On ne monte pas les épaules. To the front of the eye. Et on monte au niveau du visage, au niveau des yeux. On pivote paume de main vers le haut. Qi into the eye. Et on déverse le qi à l'intérieur des yeux. On approche doucement sans toucher. Your palms like the sun, shining inside the eye. Et à l'intérieur des yeux, le qi se répand. Et peut-être que c'est. Illuminating inside. À l'intérieur, on dit que ça s'illumine. Eyes is clear and bright. Les yeux sont clairs, brillants. The eyeballs changing into qi. Les yeux eux-mêmes se transforment en qi. Les globes oculaires deviennent du qi. Qi and blood flowing well. Le qi et le sang circulent librement. All the vision problems disappear. Tous les problèmes visuels ont disparu. The function is normal. La vision est normale. And it's becoming better and better. Et tout s'améliore en permanence. You just give yourself the best information. Et vous vous donnez à vous-même la meilleure des informations. No matter any vision problem, no matter any good information, you just do it. Quelles que soient les problématiques, les mots qui étaient posés auparavant, vous vous donnez la meilleure de toutes les informations. Uniquement cela. If you really believe in, you can recover your vision at once. Et d'une façon instantanée, vous recouvrez la vision. Put down all of your old thoughts. On laisse de côté, on abandonne toutes sortes de your paroles. Old thoughts from the society, from the education, the school, but they are not definite, they are not maybe correct. They are not correct sometimes. Et on laisse de côté, on abandonne, on laisse tomber toutes les pensées qui ont pu être inculquées par la société, l'éducation, par le système scolaire. On laisse tout ça de côté parce que peut-être qu'elle n'était pas si juste que cela, si correcte. Now, just believe in yourself one time at least. Et peut-être même que c'est la vision de soi qu'on doit ajuster. We just talked about the three layers of matter. Our consciousness can change everything you want. On a parlé des trois niveaux de la matière. La conscience peut transformer
ce qu'on veut, ce que vous voulez peut se transformer par la conscience. Command your eyes become clear and bright. Commandez à vos yeux, ils deviennent brillants et clairs. Become normal and better. Ils s'améliorent et ils deviennent normaux, en pleine santé. Forget all of your old thoughts, no matter the Western medicine said, how serious, but for Qigong is very easy. Et vous donnez l'ordre aussi à vos vieilles pensées, celles qui n'étaient pas correctes, de partir, de vous laisser tranquille. Think inside, 好了, totally, already recovered. Et à l'intérieur de soi, on dit 好了. En chinois, ça veut dire que tout va bien. Tout est revenu à la normale. 好了 is Chinese, good already, you are good already. En chinois, haola, ça veut dire que voilà, maintenant, déjà, vous êtes ajusté, vous êtes aligné, tout va bien, la santé est revenue. Now you are good already. Haola, vous pouvez répéter haola pour tout votre. Your inside is very relaxed, very comfortable. Et à l'intérieur de soi, c'est complètement détendu, confortable. All the best information in the universe is helping you. Toutes les meilleures informations viennent de l'univers et viennent à l'intérieur de vous. Laissez-les pénétrer. When you totally trust Qigong theory, you will connect them. Et en faisant confiance aux théories du Jinan Qigong, vous allez vraiment pouvoir totalement les laisser pénétrer à l'intérieur de vous, ces informations de santé qui viennent de l'univers. OK. Put on the hands. Hold a qigong. Doucement, on abaisse les mains et on tient toujours un ballon de qi entre les mains. Bout des doigts face à face, bout des pouces face à face. We continue practice open and close. Et on continue. La pratique de Hold the qi ball. Soulevez le ballon de qi doucement. Lift the qi ball up. Soulevez le ballon. To above the head. Jusqu'au-dessus de la tête, si ça vous est possible. Pour qi to the whole body. Et on déverse le qi à l'ensemble du corps.
Feel the whole body is plentiful. Ressentez que le corps est plein de chi, rempli de chi. Inside is clear and bright. À l'intérieur, c'est clair et brillant. All the illness disappears. Toutes les maladies ont disparu. All the functions are normal. Toutes les fonctions sont normalisées. Now you are very healthy. À présent, vous êtes en pleine santé. You continue pour qi dan, move the hand down also. Continue à déverser le chi, les chi les mains descendent. Our hand is the front of the body, but the mind going down inside. Les mains passent devant le corps, mais l'esprit est à l'intérieur et accompagne le chi à l'intérieur, au centre du corps. To the chest. On passe devant, les mains sont face à soi et on passe devant to the abdomen. Devant l'abdomen. To the legs. Sans se pencher, si on est assis ou debout, to the feet. On envoie le chi dans les jambes jusqu'au bout des pieds. Imagine chi go to the deep of the earth. Et le chi continue jusque dans les profondeurs de la terre. Put your hand naturally on the legs. On est plein de chi. Dans les bras, dans les jambes. Feel your whole body is very clear and bright. Ressentez que votre corps tout entier est clair et brillant. No matter any illness, just give yourself the best information. Peu importe les diagnostics, les maladies, donnez-vous la meilleure information. All the problems, illness disappeared. Toutes les maladies ont disparu. 好了, good already. 好了, tout va bien, c'est accompli. Just now, you can heal yourself, recover all the illnesses. Vous avez recouvré la pleine santé. Feel the best healthy state. Ressentez le meilleur des états de santé qui soit. You feel very comfortable. Vous vous sentez vraiment tellement à l'aise. Your mind becomes peaceful. Votre esprit est paisible, apaisé. You are now very strong. Et à présent, vous êtes très fort, très puissant. You have a strong mind, strong physical body. Votre esprit est fort et votre corps est puissant. You can do anything you want. Et vous allez pouvoir accomplir tout ce que vous voulez. With this beautiful chi field, send the best information to our family and friends. Dans ce merveilleux champ de chi, donnez les meilleures informations à votre famille. Envoyez les meilleures informations à votre famille, à vos amis. Think all of them, the illness disappears. Et pour eux aussi, envoyez cette information que les maladies ont disparu. All of them, 好了. Pour tous, pour toutes ces personnes, c'est Raola. They also become very healthy. Eux aussi, ils ont recouvré la santé. Their mind also is very peaceful. Et leur état d'esprit également
à eux, être apaisés. For mind healing, there is no space limited. Du point de vue de l'esprit, pour la guérison, no matter how far you are, we just send the information. The information will at once work. Peu importe la distance qui nous sépare, l'esprit envoie l'information et l'information arrive. Or each thought can affect the universe. Et chacune de nos pensées a un impact sur l'univers. Can work for other people. Et chacune de nos pensées peut œuvrer sur tous les êtres humains. We send the best information to the world. En voyant les meilleures informations au monde entier. The world is becoming more and more peaceful. Afin que le monde entier puisse s'apaiser. All the bad situations disappear. Toutes les situations difficiles ont disparu. All the people's mind is becoming more and more peaceful. Et l'état d'esprit de l'humanité s'apaise. Because we are one. Parce que nous sommes un. Our strong mind can affect other people. L'esprit de chacun peut toucher. Our biggest chi field can affect everything, every person. Et notre champ de chi peut également toucher toute chose et tout le monde. We give the best information for all the people, everyone. Envoyons de la bonne information à chaque être humain, où qu'il soit, partout. What you want, what you can get. Ce qu'on aimait comme pensée, ce qu'on souhaite, peut advenir. On peut l'obtenir. So now, everyone, you can get what you want. Just use this chi field. This is the effective chi field. Et donc pour vous-même, dans le champ de chi, vous pouvez aussi émettre tous les souhaits que vous voulez pour qu'ils se réalisent. Now we keep 2 minutes of silence. You can send the best information to anything you want, to any person you want also. Nous allons nous maintenir 2 minutes en silence. Pendant ces 2 minutes, on peut émettre toutes les pensées que l'on veut, pour quoi que ce soit, ou pour qui que ce soit.
OK. Très bien. Now, you can keep closing eyes or open eyes. We continue our next part. Vous pouvez garder les yeux fermés ou bien les ouvrir doucement. Nous allons évoquer la dernière partie. Next part is how to strengthen the vision. La dernière partie, c'est comment renforcer la vision. First, we need to check our vision regularly. Donc, en fait, il faut faire des tests de sa vue de façon régulière. From beginning, maybe we check every day. Au début, on va vérifier presque tous les jours. Later, maybe 1 week or 1 month, one time. Et ensuite, on va faire seulement une fois par semaine, ou même moins. Through the vision test, you know your vision situation. Et les tests, bien sûr, vont varier suivant la situation de départ. If your vision is very good, that means your method is good. Donc, si la vision s'améliore rapidement, c'est que la méthode est très très bonne. Your practice is also very good. Et votre santé, par ailleurs, est bonne. But if the result is not good, you must adjust something. Donc, cependant, si les résultats ne sont pas bons, il va falloir qu'on ajuste. How to adjust? Et comment est-ce qu'on ajuste? In fact, it's very easy. En fait, c'est très simple, très facile, même on pourrait dire. First, relax more. D'abord, il faut se détendre encore plus. Sleep more. Il faut dormir davantage. Eat good food. Manger de la nourriture de qualité. The second, put down more. Et il faut se débarrasser des pensées qui nous encombrent encore plus. Most people waste too much energy on too much things. Trop de gens consomment énormément leur énergie parce qu'ils ont you will get more energy. Parce que les pensées les perturbent, c'est des pensées négatives comme on dit, et ça consomme énormément d'énergie. Donc s'ils arrivent à se débarrasser, à changer leur niveau d'énergie va vraiment s'améliorer. Et par ailleurs, il faut pratiquer davantage. The third is focus more, pay attention to more. Il faut avoir un esprit bien concentré. Et il faut faire attention à ça. Try your best, concentrate better and better. Donc faites de votre mieux. Concentrez-vous de plus en plus. When you really concentrate very well, you can control your each mind. Each thought. En fait, vous êtes en capacité de contrôler chacune de vos pensées. When you can control your each thought, you can really go into peaceful state. Parce que quand on contrôle bien ses pensées, on peut vraiment aller encore plus dans un état apaisé. On va encore plus profondément dans cet état de paix. The next one, practice more hard. Et le dernier point, c'est
pratiquer plus intensément, plus fort. So if you improve not enough, you need to find the reason from inside, not from outside. Et donc en fait, si les résultats s'améliorent pas, c'est qu'au lieu d'aller voir à l'extérieur d'où ça vient, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut mener l'enquête, si vous me permettez. C'est à l'intérieur de soi. With the same method, when most people already improved, why you can't improve? Des fois, on se demande pourquoi ça s'améliore chez certains et pas chez d'autres. So you just change yourself from many aspects and you will improve also. Donc en fait, il faut vraiment s'occuper de soi pour s'améliorer, pour améliorer son état. So no matter vision problems, no matter health problems, you can totally recover yourself. On ne porte pas une attention soutenue au problème, à la problématique, au diagnostic. Vous pouvez y arriver. Faites-vous confiance à vous-même. Because mind, qi, and body are one. So we also can go into the peaceful mind. Et tout ça, c'est parce que l'esprit, le qi et le corps sont une unité. Et c'est ainsi qu'on peut aller à l'état de paix. On peut être apaisé. So at last, all of us can really perfect our vision, body, and mind. Et donc, c'est ce qu'on nous est promis. C'est ce qui nous est promis, pardon. En suivant, c'est tout ce qui a été énoncé, vous pouvez vraiment améliorer votre vision jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite. So for a practice, everyone is different. Maybe some people every day, for example, 40 minutes is enough. But if you improve not good, you can practice longer, more times. So find your own method. En ce qui concerne la pratique, comme chacun d'entre nous est différent, c'est à nous de trouver le temps, par exemple, qu'on doit s'octroyer pour la pratique. Pour certains, ça va être 30 minutes. Pour d'autres, ça va être un peu plus. C'est à nous de trouver notre propre méthodologie, on pourrait dire. C'est à nous d'être notre propre maître. If you want to improve more, just pay more energy, more time on practice. Et donc la seule chose à faire, c'est de prendre plus de temps afin que notre niveau d'énergie augmente. Some people still ask something. How far we talked. Donc, professeur Long voit des questions. Cable blurry distance is your. À quel point l'image doit-elle être placée? Donc, il a dit qu'il l'avait déjà mentionné. Il faut voir à moitié faux. Donc, on ne doit pas voir de façon nette ni complètement faux. C'est entre les deux. If your distance is fixed, you adjust your target bigger or smaller. If your target is fixed, you just adjust your distance. Donc il y a deux paramètres. Soit vous ne pouvez pas bouger la distance par rapport au mur, par exemple. Donc c'est vous qui allez imprimer une cible plus ou moins grande pour voir à moitié flou.
Et si, au contraire, vous pouvez bouger votre siège, par exemple, ben, vous mettez une cible et c'est vous qui allez reculer ou avancer votre siège, notamment si vous pouvez le reculer afin de voir la cible à moitié floue. Et à propos du groupe francophone, nous after our session, vous pouvez venir vers nous. Check your vision. Later, if you join our online course, we will give the summary also. We will ask you your information about it. Okay, now together, close the chi field. Tous ensemble, à présent, nous allons fermer le champ de chi. Okay, now together, overlap the palms on the navel. Non, on amène les paumes de main sur le nombril. Main droite en premier sur le nombril pour les dames. Main gauche en premier sur le nombril. Close the eyes, gentle. Et l'autre main. Par-dessus. On ferme doucement les yeux. Imagine draw the qi field qi into lower dan tian. Et la fermeture du champ de qi, c'est qu'on imagine que tout le qi va venir à l'intérieur du dan tian inférieur, à l'intérieur de l'abdomen. Lower dan tian. The inside of the abdomen. Le dantien inférieur est à l'intérieur de l'abdomen. When lower dantian qi is plentiful, it will flow to the whole body automatically. Le dantien inférieur est plein de qi. Et le qi, à partir du dantian inférieur, va se répandre dans tout le corps et y circuler. Now we just think nothing and keep this state for 2 minutes. Et on ne pense à rien. On se maintient dans la posture tranquillement pendant 2 minutes. Qi will flow automatically. Le qi va circuler de façon automatique. Okay, we together nourish qi. On est en train de nourrir le qi dans cette posture.
With separate hands to the sides. Séparer les mains par les côtés. Slowly open the eyes. Lentement, doucement, ouvrez les yeux. Relax the body naturally. Et de façon naturelle, relâchez le corps. Et doucement, très tranquillement. Maybe someone needs the recordings. You can visit our website. Peut-être que certains. Or contact our organizers. Donc certains d'entre vous vont peut-être visiter le site de Professeur Dong ou alors se tourner vers leurs organisateurs. Donc Claudie, Michel, Isabelle et moi-même. Aussi. Voilà. Vous tournez vers nous. We are ready to practice the video on the internet. You can play by yourself. Et vous pourrez regarder à nouveau sur internet la séance d'aujourd'hui parce qu'elle a été enregistrée. Donc il faudra être un peu patient parce qu'on enregistre chez nous en France, on envoie ensuite, ça prend du temps sur les débits. And last, thank all the organizers, translators, all the participants, all of you, support Shu Zhenyimu and Xian Tibu very much. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Okay, thank you, all of you. Merci beaucoup. Maybe, Hui, do you want to talk something? Thank you, Teacher Dong and all the translators. Professeur Dong a donné la parole à Hui. We will send the link of the recording to your email. Donc dans le courriel que vous avez reçu, il y a toutes les coordonnées du site de Professeur Dong notamment et puis les nôtres des organisateurs et traducteurs. All the information on our landing page, so you can find the information for the registration. Vous avez toutes les informations pour les sessions. Donc, c'est le week-end, samedi et dimanche, jusqu'au dernier. I already feel the effect. Yeah, I hope you also enjoy. Okay. Thank you, Teacher Dong. Oui, partage son ressenti. Il ressent déjà les effets de la pratique. Et il remercie Professeur Dong. Thank you. Teacher Yuhui, he made a great work for our organization this time. Their team is the main toute l'organisation organizer qui est importante et qui for est... this cause. On est sur une plateforme internationale. Okay, now we finish. Donc voilà, maintenant c'est achevé, c'est fini. Thank you, Sylvia. Thank you, everyone, the translation. Okay, bye-bye, everyone. Bye.